Aujourd'hui, je vais réaliser le plat yori sauté crevette au pourri vert. C'est parti! Vous avez besoin yori blanc cuit, crevette, un œuf, du courgette en petits morceaux, le poivron pour colorer le plat, la pâte de curry vert. Vous pouvez trouver au marché français ou ici, ils vendent. Et après, vous avez les feuilles de kaffir, les feuilles de kaffir. Vous faites émincer, hein, vous préparez émincer comme ça, petits morceaux. Et après, vous avez aussi les feuilles de basilic taillées. Ensuite, vous avez aussi le sucre, lait de coco, sauce de poisson et huile. On y va pour le cuisson. La pâte. Je ne sais pas, il y a café. Et le sucre. Bien rase. À peu près une cuillère à soupe d'huile. Et je commence. Allumer le plat de cuisson. Le plat de cuisson, je mets avec le feu moyen. C'est bon, je fais revenir ma pâte. Et maintenant, ça sent bon, ça sent la pâte. J'ai acheté un petit peu lait de coco, c'est à peu près 50 ml lait de coco, soit lait de coco ou soit du lait. Après, il faut bien mélanger. Je suis levée un peu casserole parce que comme le plat de cuisson, j'ai allumé un peu trop fort. Je vais se lever un peu. Vous voyez, après, il faut bien mélanger. Vous voyez que vous avez bien mélangé. Vous achetez crevettes et des courgettes. Et vous continuez le cuisson. Maintenant, vous continuez le cuisson. Les crevettes, ça change de couleur. Acheter sauce de poisson, une cuillère à soupe, j'ai bien mélangé, j'ai acheté yori blanc cuir, hein. J'ai acheté un œuf. Et après, il faut bien mélanger. Et j'ai bien mélangé avec feu vif. Bien mélangé avec feu vif. Ça a l'air bon. Surtout, ça sent très beau. Je fais avec le feu vif. Oui, je mets maximum le plat de cuisson. Et ensuite, oui, le riz, le reine du riz, c'est bien séparé. Hein, c'est bien séparé. Et maintenant, je vais ajouter
du piment, les feuilles de cassia et le basilic. On a fini pour cette vidéo. J'espère que vous allez essayer de vite possible de faire. Voilà, si même vous avez fait, vous pouvez envoyer vidéo. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Khob khun kha.